Tetris. Avec ses pièces en chute libre et son rythme effréné, Tetris vous offre une expérience addictive où la réflexion rapide est la clé de la victoire. Numéro 2, Pac-Man. Le légendaire jeu d'arcade où vous incarnez une boule jaune insatiable qui doit éviter les fantômes tout en gobant des packs gomme à travers un labyrinthe. Numéro 3, Mario. L'emblématique plombier moustachu qui vous emmène dans des aventures palpitantes, sautant sur les ennemis, collectant des pièces et sauvant la princesse Peach. Numéro 4. Une série de jeux immersifs qui vous plongent dans un monde ouvert, où vous pouvez vivre une vie de crime, conduire des voitures rapides et explorer des environnements urbains dynamiques. Numéro 5. La légende de Zelda. Un jeu d'aventure qui mêle action, exploration et éléments de puzzle. Vous incarnez Link, un héros courageux qui se lance dans des quêtes épiques pour sauver la princesse Zelda et restaurer l'équilibre du monde. Numéro 6. Minecraft. Un monde ouvert infini où vous pouvez exploiter des ressources, construire des structures époustouflantes et affronter des créatures dans un univers pixelisé unique en son genre. Numéro 7. L'appel du devoir. Call of Duty. Des jeux de tir est-ce qui vous plongent dans des batailles intenses, mettant en scène des conflits militaires réalistes et des affrontements multijoueurs palpitants. Numéro 8. World of Warcraft. Un jeu qui vous plonge dans un vaste monde fantastique, rempli d'aventures, de quêtes épiques, de donjons dangereux et de batailles contre des boss légendaires. Numéro 9. Pokémon. Dans ce jeu, vous pouvez incarner un dresseur de créatures magiques appelé Pokémon, que vous capturez, entraînez et utilisez pour affronter d'autres dresseurs lors de batailles stratégiques. Numéro 10, Fortnite. Un jeu de bataille royale frénétique qui met en compétition 100 joueurs dans une île virtuelle, où ils doivent construire, explorer, combattre et être le dernier survivant pour remporter la victoire. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.